Oui. Alors, je suis là, je suis là. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée de reconnaissance 2020. Cérémonie officielle en l'honneur de nos nouvelles et nouveaux diplômés, dont nous couronnons aujourd'hui les efforts. Puisqu'ils sont la raison d'être de cette fête, je salue d'abord les diplômés qui ont, pour la circonstance, revêtu leurs plus beaux atours. Je souhaite aussi la bienvenue aux parents et aux amis de nos diplômés qui ajoutent à la dimension festive de la cérémonie. Merci d'être là pour célébrer avec nous. Merci, Monsieur le chef, d'être ici aujourd'hui pour remettre avec moi ces diplômes de réussite scolaire qui portent fièrement le logo du Conseil des Innos de Pessamit et votre signature. Bonsoir à tous les élus du Conseil de bande, ainsi qu'à tous les représentants, les partenaires et les donateurs. Un bonsoir tout particulier aux finissantes et aux finissants. Je tiens tout d'abord à féliciter chacun d'entre vous pour vos exploits que l'on célèbre ce soir. Cette soirée se va être ultimement une occasion de reconnaître votre parcours, vos efforts, votre résilience et votre courage. Il me fait si chaud au cœur de voir autant de fierté dans les yeux de vos familles et d'entrevoir votre sentiment d'accomplissement alors que c'est enfin terminé votre programme d'études. À vous tous, je dis bravo. On m'a demandé de vous parler de persévérance, de fierté inoue, de solidarité, de l'importance de l'éducation et même de mon propre parcours et de mes embûches. Mais ce soir, j'aimerais qu'on parle de vous. Vous, les étudiants qui ont terminé leur parcours académique et qui se dirigent vers leur passion. Vous aussi, ceux qui venez de terminer l'une des nombreuses étapes de votre éducation et qui ont commencé une nouvelle très bientôt. Vous êtes dans cette salle pour plusieurs raisons, et l'une d'entre elles, c'est votre identité. Vous êtes né avec un sang millénaire dans vos veines, et votre personne se retrouve ce soir dans un territoire qui l'a abrité pendant si longtemps. Chaque route du Nordmatt, chaque vent venu de l'ouest et chaque vague du fleuve témoignent de qui vous êtes. Des Innos. Des Innos qui ont su se battre contre les mauvais vents et les longs portages pour arriver à cette journée ultime de votre chemin. Le soir où vous pouvez enfin dire « J'ai réussi ». Vous n'avez pas seulement réussi un DEC, un certificat ou un secondaire 5. Vous avez réussi un combat contre une histoire coloniale qui s'étend trop loin dans le passé et qui semble vouloir trop s'allonger dans le futur. Vous avez élargi votre champ de connaissances et vos capacités, et il vous est maintenant possible de ramener ce nouveau bagage, ce que représente votre diplôme, au sein de votre communauté afin d'aider nos collectivités à guérir et avancer ensemble. Ça n'a pas été facile à l'âge de 16 ans. Et j'étudiais l'école secondaire, franchement, je crois des études, je crois m'intéressais pas vraiment à rien parce que à rien, on a des études, j'ai trop de mal, là, comme un peu tout le monde. Là. Je préférais m'amuser un peu. Puis, j'avais 16 ans. C'est qu'à 21 ans, j'ai décidé, quand je manque une guitare, mais que je voulais une seconde, puis. J'ai retourné aux études pour les études Gétéan. Gétéan était des femmes de Wendak, des Québécois. On était tout le monde enchaîné, on était tous les gens, on était des années techniques policières. Puis, on a tout le monde dirigé.
mon gitihan ah moi c'est impossible ah vous devez tout man mon gitihan ma van gitihan vous restez du hand puis notamment j'ai fait des efforts qu'il faut gitihan gitihan on est sans te dire itiane inscrit dans du hand technique policière au collège d'Allemagne et bon alors on est à 21 ans bon gitihan on est des femmes de d'âge bon gitihan mais tout d'âge hand inscrire au collège d'Allemagne, on a tout mal été, notamment admis que la can, on va nous tomber en den boire, et que j'ai quasiment mon diplôme, on est en AIC, on est technique policière de Allemagne. Sophie Bacon-Vasson. Alice Bacon-Volant. Mathias Régis Crépeau. Niska Canapé-Hervieux. Alicia Vasson. Émilie Vasson Canapé. Élise Valentin. Oui, un mot, Paul Edouard Volant. Tatiana Bacon Hervieux. Riverain. Laurie Lydia Vachon, nous viendrons là. Et nous viendrons Jean-Baptiste Bacon de Riverain. Éric Rousset, programme d'études d'entretien général d'immeubles. Julien Picard Fontaine, programme d'assistance à la personne en établissement et à domicile. Julie, come on down! Premièrement, niche Christian Moreau, programme de transport par camion. Félicitations pour ça. Philippe Picard, au programme d'entretien général d'immeuble. Félicitations d'être. De conduite de machinerie lourde en voirie forestière, mon cher voisin, Mathias Pinette Dominique. Programme d'entretien général d'immeuble, Rudanouet, Renaud Riverain Dominique. Ah, lui aussi, c'est mon voisin, c'est vrai. Programme de pâtisserie, Pierrette Vasson Rousseau. Félicitations, Pierrette. T'inquiète, t'es fait, donc même les dîners, puis avec tes gâteaux, là, dans le... La femme, tu sais, là, c'est de moi. OK. Oh, OK.
Ça va être les 10 000 cuisine et desserts. OK. Finissant de l'étude collégiale au programme technique bureautique Marilyn Bellefleur. Au programme d'éducation à la France. À la France. À l'enfance. Angèle Canapé-Dominique. Au programme d'éducation à l'enfance, Fanny Picard. Au programme d'intervention en travail social, Aurélie Roque-Hervieux. Thomas Saint-Onge, au programme d'agent en support à la gestion des ressources humaines. Félicitations, Thomas. Notre dernière finissante de l'étude collégiale, madame des Bordeaux, Sarah Vachon, programme d'éducation à l'enfance. Sciences humaines, Rose Bacon-Coutu. Programme de sciences humaines, India Canapé-Hervieux. Je pense que ça vient. Éducation spécialisée, Annie Bacon. Technique en comptabilité et gestion, Noémie Bacon-Sirois. Programme technologie du génie civil, Louis Roque-Saint-Onge. Programme de kinésiologie, Patricia Bacon. Programme de santé mentale, Sophie Paul. Donc ça met fin à la cérémonie de graduation de nos finissants de TESAMIT. On les applaudit une dernière fois la gang, ok, félicitations, yes! C'est venu le Louis Hamot et les quatre organisatrices du Ferme la soirée de reconnaissance. Justine Bacon, René-Claude Saint-Onge. Rachel Lefebvre, Maxime Pécou.
persévérer dans la vie et à toujours continuer à rêver à nouveau parce que on le mérite. Merci beaucoup. Un petit pot pourri, ils ont un autre, un petit métier.